copains qui l'a fait pas. Il est arrivé depuis des années. Et voilà le grand champion français des années 70-80. Genre un petit qui en a gagné les courses avec ce type de véhicule. Elle est très belle. Et d'élégance. Non, l'élégance ce sera cet après-midi, concours d'état et de restauration. Cet après-midi à 15h, le concours d'élégance ici sur la place de Jaune. Donc on a une poignée pour lancer des épreuves comme moi. Je suis très curieux de voir le bruit de démarrage de cette voiture fabriquée à Clermont. Donc dans les années immédiates après-guerre. Les dossiers restent comme ça. Non, le dossier il passe partout, mais il insiste. La fameuse de chevaux, elle a toujours beaucoup de succès auprès des Américains qui, eux, avec leurs énormes véhicules de bons facteurs qu'on a accumulé pendant des décennies qu'elles ont vécu, avec la fameuse commande de vitesse mode Citroën, regardez, avec cette simple tige. Même si ça n'est pas un véhicule de collection, ça mérite d'être signalé aujourd'hui à l'occasion de la traversée de Clermont. Demain, c'est véhicule au circuit de Charade. Pourquoi vous avez choisi
ces villes en particulier. Il s'agit d'une Toyota Celica qui a obtenu le premier prix de sa catégorie. Alors comme il n'y en a qu'une, elle s'avance, la voici mesdames, messieurs. Elle est très originale, effectivement, voiture de 1976, dans un état impeccable. Premier prix des voitures européennes, examiné ce matin en concours d'état et de restauration. Bravo, bravo cher propriétaire, voilà une très belle voiture. Un peu à l'américaine avec ses accessoires et vous avez gagné le prix de votre catégorie ici à Clermont. Mais il y a combien de photographes, c'est dingue. Ah, là il y a un message. Répétez, il n'a pas entendu. Si c'est bon, il l'a eu. Oui, oui. À la prochaine fois, juste nickel, quelques cotons-tiges. Mais voilà, la jeunesse prend le flambeau à son tour. Avec ses moustaches, combien il y en a de moustaches là? C'est 6? C'est 6 moustaches, Jean-Paul? C'est ça, hein? 3? Ouais, il y a des 6 et des 3. Combien d'hommes ont 6 moustaches aujourd'hui? Applaudis ce véhicule. Premier prix pour les voitures d'avant 60 en concours d'élégance cet après-midi. Troisième prix, c'est ça? J'ai bien entendu? Non, premier prix, pardon, premier prix de sa catégorie. Ah, il faut être clair, mesdames, messieurs. Alors, il y a une seule porte d'un côté, c'est pas facile. Allez, hop. Et voilà, hop là. Regardez cet équipage qui a eu aussi une excellente note d'élégance. Vous pouvez les applaudir, s'il vous plaît, public clermontois. Et bien sûr, le président embrasse. On se met devant, c'est ça? Devant, faut être devant, à côté, dessous, de je sais plus. Au niveau de la roue arrière. En tout cas, le président assure son rôle de président. Hein. Vous avez vu ça? Alors, qui va gagner ensuite, cher jury? Le premier prix pour les voitures de la catégorie années 60 revient à la Peugeot 404 portant le numéro 8. Ah, mais c'est le papy et sa petite fille! Charmant équipage! Enlevez-vous aussi votre numéro! Enlevez votre numéro, voilà, c'est plus joli pour les photos. Allez les filles, on pousse. Bisous, bisous. Et à la prochaine. Voilà un équipage fort sympathique qui tout à l'heure a su séduire le jury avec son rock'n'roll au moment de la présentation.